Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Si vous voulez voir un vrai pot de jardin, ça doit être engrais et ça doit sonner comme une cloche. Vous cherchez des poteries ou des accessoires de jardin super résistants au gel et au temps ? En voici. Made in France, plus exactement Made in Normandie. Les poteries de Thierry sont fabriquées en grès et ça, ça fait une sacrée différence. Généralement, ce qu'on vend aux gens, ce n'est pas du grès, mais de la faïence. Or, la faïence, c'est une terre qui se cuit très très bas. Entre les deux, la grosse différence, c'est que le grès est une argile qui est riche en silice. Or, la silice, donc, quand on la monte à haute température, ça vitrifie. Comme elle est vitrifiée, elle ne sera pas poreuse, pas gélive. Et comme elle est vitrifiée, elle est en tension, quand la tension est sotte. Donc, un bon pot doit sonner. Nous, on travaille du grès. Le grès, c'est une argile qu'on va devoir monter très très haut pour la vitrifier, justement. Donc, en gros, ça se cuit vers les 1260 degrés minimum. Et ça, c'est une cuisson qui va durer donc 10-12 heures. En gros, il faut quasiment un mois de séchage à l'air. 10-12 heures de cuisson et 24 heures de refroidissement dans le four. Et après, votre pot, vous l'avez quasiment à vie, ça ne bougera plus. Chez Au Gré du Temps, on trouve des mini-poteries, des gros pots pour les arbustes, des nichoirs, des vasques spéciales sédum, mais également des bordures à l'ancienne que Thierry et son épouse Isabelle sont les seuls à fabriquer en France. Justement, ce sont des bordures du 19e siècle qu'on récupère quand on en trouve, qu'on restaure, qu'on remoule et qu'on reproduit. Est-ce que ça se fait dans tous les jardins ? Pas forcément, ce n'est pas un peu la conception qu'on peut avoir de base de son jardin. Faut faire attention aussi, ça peut devenir un peu pompeux pour certains modèles. Donc en mettre dans des endroits bien précis et non pas forcément en mettre partout. Dernier atout, leur côté passe-partout. On peut installer ces poteries dans un écrin contemporain, mais elles ne dénoteront pas dans un jardin des plus classiques.